Donc, l'autre vidéo, c'est tout de suite. On va effectivement voir maintenant les boucles while, par exemple. Donc, ça peut être plutôt pratique. While. Et là, effectivement, vous allez mettre votre condition. Alors, en l'occurrence, on s'en fiche de ça maintenant. On va mettre plutôt, on va initialiser effectivement une variable. While dollar i. Alors, dollar i lesser than this. Alors, effectivement, là, quelque chose va être fait. Alors, il faut imaginer la même situation que tout à l'heure où vous mettez un point-virgule juste après. Et là, vous allez lui dire de faire quelque chose. Écho, un truc assez simple, la valeur, tout simplement. Et avec évidemment une incrémentation pour éviter de vous retrouver avec un infinite loop. N'oubliez pas les espaces, c'est assez important. Et c'est terminé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors j'aurais dû less than equal. Comme ça nous met le 10. Et on est très bien. Donc le while, c'est assez simple à manipuler finalement. On l'avait déjà utilisé quand on faisait de la lecture d'un fichier. C'était plutôt cool. Là, c'est propre aussi. Donc là, c'est bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une boucle for. C'est-à-dire que là, au lieu de mettre ça, hop, on peut imaginer une situation un peu différente. For i. Et là, vous mettez de 1 jusqu'à 5 inclus. Alors, vous allez lui dire do. Et là, vous allez mettre un petit écho et de la one, de sign one. Et ce que vous faites, alors, hop, vous mettez un petit done ici. En fait, là, j'ai fait des bêtises, j'ai mal indenté, mais c'est. Et là, vous pouvez effectivement observer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est inclusif. Donc c'est plutôt cool. Donc for in, ça existe effectivement en bash. Ça existait déjà en JavaScript. On l'avait déjà vu même dans d'autres langages de programmation. Et bien là, c'est parfait. Vous pouvez également utiliser effectivement case statements. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, on va comparer effectivement des valeurs en fonction d'une liste de patterns. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interroger encore l'utilisateur avec un écho, enter a number, par exemple, a number. Voilà, on écrit ça comme ça. Ensuite, on récupère la valeur de ce que l'utilisateur a mis. Et là, on utilise nos cases. Et là, on va effectivement récupérer la valeur de num. Et maintenant, in. Et là, par exemple, on veut checker pour voir si c'est 9. Si la valeur, effectivement, alors j'ai mis ça comme ça, je me suis trompé. Si la valeur est 9, donc qu'est-ce qu'on veut faire potentiellement? Eh bien, on va dire, on va faire un petit écho, un truc assez simple, hein. Alors, écho 9, tout simplement. Et deux points comme ça, enfin deux semi-colonnes. Hop, et on peut récupérer aussi ou imaginer un cas de valeur par défaut, et ce serait écho, ce n'est pas 9. Voilà, et on finit également par deux points. Donc, je peux même indenter, en l'occurrence, c'est pas si pourri que ça, écrire les choses un peu mieux, c'est toujours mieux. Donc voilà. On va tout de suite tester hein, pour voir si ça le fait. Alors là, ça me dit unexpected end of file parce qu'en réalité, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le ESAC qui clôture le truc. Donc voilà. Là, ça met bien 9. Et si je mets par exemple autre chose, par exemple, ce n'est pas 9. Donc ça correspond bien à ce que l'on souhaitait faire. Donc c'est plutôt cool. Ça fonctionne. Donc voilà, ensuite, voilà, c'est plutôt pratique. Donc c'est à vous de voir ce que vous allez vouloir utiliser si jamais vous faites un peu de programmation en shell. On pourra voir d'autres choses dans d'autres vidéos.